Alors, avec les cartes d'indigents que nous avons données, il faut savoir que c'est l'entrée au système de soins pour le bénéficiaire. Avec cette carte, elle a droit à un paquet de prestations que je vais essayer de résumer, mais c'est beaucoup plus détaillé, évidemment. Alors, la gratuité porte sur les consultations, les hospitalisations en ambulatoire ou les hospitalisations plus longues et les médicaments essentiels génériques et les examens de laboratoire. Voilà. Maintenant, évidemment, c'est beaucoup plus détaillé. Mais sachez que sur la gratuité pour les indigents, à ce jour, l'État a mobilisé plus de 2 milliards de francs CFA. Le régime d'assurance maladie universelle est en marche. Et la Caisse nationale d'assurance maladie universelle a reçu pour demande de procéder diligemment à son extension aux autres catégories de la population et le choix porté sur les populations les plus démunies avec une prise en charge intégrale par l'État central. À coup sûr, son avènement, en plus de la promotion du bien-être social qui en découle, ouvre des perspectives de développement humain durable.